Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un petit épisode sur Toy Box Turbo, un petit jeu de course qui a été fait par Codemasters, donc ceux qui nous ont donné les jeux de F1 de ces dernières années, mais également Dirt, Grid, tout ça. Et j'avais acheté ce jeu-là dans un bundle. J'ai acheté en fait, j'ai dû acheter 8 ou 9 jeux de Codemasters et celui-là était dedans. Et je connais pas du tout. J'ai même jamais essayé. Donc on va voir, ça va limite être une vidéo découverte. On a des coupes, alors pourquoi pas, hein. Oh, y a beaucoup. On va voir ce que donne le jeu, hein. Ça a l'air d'être une espèce de micro-machine, j'ai l'impression. On va voir. On va faire la première course. Oh, jolie la voiture. Taxi de Londres. Taxi de New York. Car scolaire. Bus londonien. Aéroglisse. Oh, ça c'est classe ça. Alors je peux pas les avoir s'il faut que j'ai des pièces. D'accord. Donc j'ai le droit qu'à ça. Est-ce que je peux personnaliser mon taxi londonien? Oula, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Est-ce qu'on peut faire. Oh. Oh là là, ah oui d'accord. Oh putain, tu peux te lâcher niveau couleur. C'est moche. Oh que c'est moche. Oh. Mon Dieu. Je vais peut-être pas faire une horreur, hein. Voilà, on va faire ça, c'est très bien. J'ai déjà un succès, magnifique. Allez, sélectionnons. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc ça a l'air d'être un petit jeu de course. Alors, est-ce que c'est micro-machine et c'est à caméra fixe? Ou est-ce que. Ouais, c'est vraiment un. Oh. Alors est-ce qu'il y a des objets du coup? Moi ça m'intéresse ça. Oh. Ah non, non, c'est pas à caméra fixe, il n'y a pas d'élimination, par contre il y a des objets. Oh puce. Il faudrait que je vérifie, mais je me demande si Micro Machine, justement, c'est pas. C'est pas de Codemasters à la base. Je ne sais plus. Ah non, oh, Infogrames. Oh, je ne sais plus du tout. Ah. Faut que je récupère des petites pièces si je veux acheter des voitures. Pour être sympa. Bon. Là, je vais tomber que sur des courses extrêmement faciles, hein, je pense. Donc, faut pas m'en vouloir. Oh, un aimant. Ouais, bah c'est pour attirer. Ouais, ok. Tranquille, hein. Pépère. Voilà. Continuons. Je crois que j'ai déjà des achats de véhicules. Bah, je pense que je peux acheter là des trucs. Je pense que transport. Ah, transport public, c'est ça, rue tout terrain. Ouais, d'accord. Il va y avoir des véhicules pour chaque catégorie. Intéressant, intéressant. Alors, on va faire une nouvelle map. Est-ce que je peux. Oui, je peux acheter le taxi New York. Eh ben, vas-y. On va acheter le taxi New York. Alors, mon var. Il est moins lourd, il est plus maniable. Bah, c'est beaucoup mieux. Bon, je vais le laisser de base. Hein, on s'en fout un peu. Faisons une autre map. Franchement, ça a l'air d'être un jeu assez sympa. Je pense que la difficulté elle viendra quand t'arrives plus loin dans le jeu, bien sûr, mais comme ça, ça a l'air assez sympa. J'ai poussé tout le monde, c'est pas grave. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, moi, c'est que j'arrive à récupérer un max de pièces. Ah, ça glisse. Merde, j'ai loupé les objets. Tranquille. Ah merde. Ce que je veux acheter les voitures moi. D'ailleurs un boss aussi à la fin des niveaux. Peut-être. Un combat contre un boss. C'est pour ça que tu débloques l'aéroglisseur. Ah. C'est joli, hein, comme décor. C'est assez simpliste, c'est vrai. Mais franchement, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que. Alors, là où
Moi, Micro Machine, j'en avais joué à deux. Un tout pourri. Les deux sur PS2. Il y en avait un qui était assez pourri. Je le dis, franchement. Et j'ai joué à Micro Machine V4. Qui était absolument génial. Ah bah voilà, là c'est pas une course classique, c'est un top 10. Donc ça c'est bien. Micro Machine V4 était super bien. Et donc je peux pas acheter le car scolaire, je pourrais probablement l'acheter après. Ce qui était bien avec Micro Machine, c'est que donc il y avait un mode, c'était à peu près semblable à ça hein, finalement. Une espèce de mode histoire, de mode ce que tu veux. Et il y avait de la variété, il y avait donc les courses classiques, mais il y avait des duels à handicap, où c'était du 1 contre 3, ce genre de choses. Et ça je trouvais que c'était super fun. Faut que je fasse gaffe aux mines. Ah oh bah c'est le niveau du... c'est le premier niveau. Oh bah c'est facile le premier niveau. Faut que je fasse les 3 tours en 1 minute 5 apparemment. De toute façon on est sur les premiers donc ça va être... easy à faire. C'est vrai que bon, si vous avez une PS2, parce que je sais pas s'il est sur le PlayStation Plus, mais si vous avez une PS2 et que vous vous en servez encore, essayez Micro Machine V4. Ce jeu est... surtout si vous avez des potes, c'est vrai que tout seul c'est peut-être pas forcément le mieux. Mais il est juste génial à faire. Vraiment génial. J'arrête pas de débloquer les succès, c'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que par hasard j'ai pas débloqué... si, attends. Non. Battez tête de marteau. D'accord. Donc faut que je fasse... ça doit être lui. Un doublé. Bon, alors hop, on va continuer. De toute façon, ça va tellement vite. On peut acheter le bus. Achetons le car scolaire, qui doit être plus lourd, moins maniable. Ouais, pas maniable, très lourd, et la même vitesse. Mais bon, essayons. Après tout, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le taxi new-yorkais qui est le meilleur véhicule pour l'instant. Des trois que j'ai, c'est le meilleur véhicule. Hop, papy. Ah, il y a de l'aspiration. Qu'est-ce que... oh, énorme ça. Tu passes dans le grippin. Je pensais pas que j'allais dire cette phrase un jour. Merde. C'est pas si facile que ça. C'est vrai qu'effectivement il est pas... oh putain, une mitraillette. Il est pas si maniable que ça le bus. J'arrive pas à récupérer les pièces. Hop. Vas-y, fonce. Bon là les gars, va falloir me donner du challenge hein, parce que c'est pas que, mais c'est un peu trop facile. Voilà, c'est gagné. C'était easy. Easy. Alors, doublé, ça va être un truc différent, ça m'intéresse. Et puis on va déjà pouvoir acheter le bus londonien. Voilà, parfait. C'est quoi la différence? C'est exactement la même chose. Bon, ça reste un bus en même temps. Hein. Faut que je dépasse 15 voitures, je pense que c'est ça. Hein. Eh ben essayons. Là on est... c'est le niveau cuisine. Ah, les champignons et porte... oh putain. Ah, ce qui est bien au moins c'est que j'affronte des véhicules qui sont comme moi, apparemment. J'ai 3 tours. Enfin, j'ai déjà dépassé 6 véhicules quoi, en un tour. Ah, cassez-vous! Oh merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Il y a des dégâts. Peut-être que je me suis fait dépasser. Je sais pas du tout. Ah! Pourquoi j'explose? Cassez-vous!
Ah, trop facile. 21. Trop facile. Donc du coup, voilà, on a tout fait. On a tout fait, on peut faire le boss. La panique festive. Battre tête de marteau pour débloquer son véhicule. Vas-y, je veux affronter l'aéroglisseur. Alors du coup, je vais prendre le taxi New York, parce que ça m'a l'air d'être le meilleur véhicule. Progression succès, ça n'arrête pas. Et oups, pardon le micro. Ah, ça y est, là on est sur du micro-machine. Il y a des points de vie. Donc ça veut dire que ça va être de l'élimination, je pense, sur écran. Ouais, c'est ça. Alors c'est génial quand tu connais pas la map. Bon, j'ai gagné, c'est très bien. Ah merde, j'ai plus mon objet. Ah bah oui, non, si, oui, si, c'est logique. Oh, le lancer de mine dans ta tronche, mon gars. Vas-y, c'est bon, c'est facile. Ah. Tu sens que c'est le début du jeu. Hein. Hop, sur la gelée. Ouais, le rebond sur la gelée. Ah. Merde. Tiens. Oh, 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 je suis tellement puissant. Je suis déjà plus qu'à un point de vie de la victoire. Hop. Non, la mine. La mine. Oh, le con. Non, la mine. Non, non. Pourquoi il y a des mines? J'ai pas posé de mine. Oh, la vache. Oh, le boost. Oh, le salaud, le salaud. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Hey, papy fait de la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bon, j'ai gagné. C'était trop facile. J'ai battu tête de marteau. 4200 pièces en plus pour moi. Parfait. Débloquer l'aéroglisseur, nickel. Et on a débloqué le niveau 2. La ruée tout terrain. Classique évasion doublée. Top, top. Oh la vache. Alors, bah vas-y, on s'amuse. Oh, on gagne beaucoup plus de pièces. Alors, le 4x4 pour 9000 pièces. Un tracteur. Oh, oh. Un kart de golf. Une Jeep lunaire. Et le Monster Truck. Ça, c'est des voitures qui sont vachement classe, dis donc. On va commencer simple. On va prendre le 4x4. Oh, bonne vitesse, dis donc. Vache, beaucoup mieux comme véhicule. Et on est dans une salle de classe, maintenant. Tel tracteur, il est trop... il est trop mignon, le tracteur. Allez, je prends la speed. Cassez-vous. Laisse-moi mes pièces. Connard. Ouh. Eh, mais attends, mais c'est moi. Ça y est, il y a de la bagarre, là. Oh, puis les niveaux sont... Oh, merde. Oh, vache. Hop là, la mine dans ta tronche, mon... Ça, c'est... Ah bah non, mais ça, c'est un truc d'attaque. Moi, il me faudrait un truc de défense. Là, c'est ça le truc qui est un peu dommage. C'est que c'est pas comme un Mario Kart. Quand t'es devant, t'as pas des objets pour te défendre. Tu peux te retrouver avec un truc comme ça. Qui ne sert strictement à rien. Il faut bien y avoir un bouton pour s'en débarrasser. Ah bah non, bon bah d'accord. Pas trouvé le bouton pour s'en débarrasser. Hop. Bon, ça va, je gère suffisamment bien mon effort. Hop, c'est gagné. C'est trop facile. Alors, je sais pas du coup combien sur Steam, je devrais regarder quand même. Volcan. Alors, une évasion. Alors, évasion, je sais pas ce que c'est. Du coup, ça m'intéresse. 2500 cm. On va voir. Et on va acheter le tracteur. Du coup. Oui, achetons le tracteur. Qui est pas maniable, qui est très lourd. Donc techniquement, pourquoi tu veux jouer avec ça? Parce qu'il est beaucoup moins bien que le 4x4. Ça se trouve, en fait, faut juste fuir. Tu dois avoir de la lave au cul. Oh oui, c'est ça. Oh punaise. Ah mon dieu. Faut juste faire de la distance. Ah. Effectivement, le tracteur, c'est pas le meilleur choix. Hein. Oh, le loupé.
Non, ça va. Et je me fais déjà rattraper. Non, non, non. 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 Je veux vivre. Ah, ça glisse. Allez, on a une étoile. Au 2500 pour la deuxième. Oh, c'est chaud, Saras. Ah non, d'accord, on a déjà les trois. Maintenant, c'est juste pour faire le score. Non, 3100. Vache. Non, franchement, c'est sympa. Alors, dérapage Bunzen. Et pas Bunzen, hein, faut pas croire. C'est Bunzen. C'est le bec Bunzen. Si vous avez fait de la chimie, vous savez ce que c'est. Sinon... bah, ça fait du gaz. C'est tout. Alors, on va reprendre le 4x4, parce que le 4x4, il est mieux. Le 4x4, il est mieux. Hop. Donc là, en fait, ouais, le... ouh, sympa les trucs lunaires, là. Oh merde, j'ai oublié de tourner. En fait, ouais, le deuxième niveau, c'est les cours, quoi. Le premier, c'était la cuisine. Et maintenant, on est à l'école. Comme... ah oui, merde, j'ai des objets, faut que je m'en serve. Oh, il est rapide, le circuit, là, dis donc. Voilà, encore des mines. Ah, je leur fournis, hein. Ah, oh, merde. Non, non, non. Les salauds. Vas-y, vas-y, pêche-toi, pêche-toi, pêche-toi. Purée. Ah, tranquille. Tranquille, Mimille. Oups, on va faire... oui, on va au moins finir le niveau là. Doublé. Et je crois que je vais pouvoir acheter le... le quart de golf. Mais oui. Attends, non. La Jeep lunaire, elle coûte moins cher. On va acheter la Jeep lunaire. Oh, punaise. Super maniable, pas de poids. C'est un bon véhicule, ça, dis donc. C'est cool. Faut que j'ouvre 26 véhicules pour faire les 3 étoiles. On est où? Ça a l'air d'être une classe d'art ce coup-ci. On a fait la classe classique. C'est dur à dire. La classe classique. Après, on a fait la classe de chimie. Maintenant, c'est l'art. Ah, c'est pas si facile que ça, hein, conduire. Donc. Elle dérape beaucoup. Casse-toi le car. Casse-toi, j'ai dit. Ah. On va les dépasser 9. Oh. Allez, vite, 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 vite. Oh, je passe au-dessus. En fait, ouais, la voiture là, vu qu'elle est super légère, quand elle fait un saut, elle vole complètement. 18. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Non, me fais pas perdre du temps, toi. 22, 23, 24, 25, 27. Oh, c'était chaud. 27 pour 26. Ouh. Eh ben. Il reste déjà plus que 2 niveaux. Et normalement, je vais même pouvoir acheter déjà le kart de golf. Donc on va l'acheter. C'est fun. Bon, ça va. Ah, il est plus lent par contre, effectivement. Il est plus lent, mais il est plus maniable. C'est souvent ça, hein. Et un peu plus lourd, bien sûr. C'est trop classe comme truc. Ah, ça va être le premier niveau.
Ouais, c'est ça, c'est le premier niveau qu'on a fait. Ah, c'est une maniabilité assez particulière, disons. Merde, j'ai pas pris le bon chemin. Moi, j'ai pris le chemin qui donne des pièces. Hop, voilà. Oh. Vas-y, là, faut que je prenne par là. Voilà. Doucement, doucement. Faire combien? Une 12. Non! Non, 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 non! Ah, ça c'est pas cool! Vache. Non! C'était pas ce qu'il fallait! Eh bah, ben, je crois que pour la première fois, je vais planter mon... Ouais, je vais planter mon 3 étoiles. Ah, dommage. De pas grand chose, hein. Bah, je me serais pas retourné, c'était bon. Tant pis. C'est l'argent. C'est pas grave. Allez, on va finir le niveau pour aujourd'hui. Ce truc-là. On va battre Sasquatch, le Yeti, pour débloquer le Monster Truck. Franchement, je préfère le 4x4. C'est le premier véhicule, mais je trouve que c'est le mieux. Donc je vais le prendre. Et puis on va finir là-dessus, sur la bagarre avec Sasquatch. Ah, c'est le klaxon. D'accord. C'est parti. Je vais lui mettre sa race. Ce qui est chaud, c'est que quand tu connais pas le circuit, du coup, tu sais pas vraiment quoi faire. Voilà, c'est gagné. Tranquille. Par contre, il y a la mine qui a spawné devant moi, ça c'est très intelligent ça. Hein? Là je vais où? On s'en fout, je gagnais. c'est un peu cheaté hein, la roquette. Hein. Un petit peu. Merde, putain, le truc électrique. Caché! Ah, ouais, bien, 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 bien. Non, 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 non. Putain, putain. Oh, l'enfoiré. Non. Il m'a eu. Le saligo. J'étais bien parti pourtant. Vas-y, mange-toi la mine. Ah, gros con. Merde. Non. Pourquoi je me suis planté? Allez, c'est bon, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, voilà. Que deux. Casse-toi. Ah non. Ah non. Ah le salaud, il m'a fait la poussette. Le salaud. Vas-y, alors là. Tu mérites une vengeance, mon gros. Ça va par où ça? Par là. Tiens, mange-toi ça. Mange-toi ça. Pas vrai. Fais ça. J'ai gagné, j'ai gagné. Je le sais, je vais gagner. On récupère pas mes pièces, bon. Foiré. Ah, alors là, par contre, faut que je trouve la ligne droite. Mon dieu. Complètement foiré mon objet. Ah. C'est pas ça. Oh merde, la mine. Bon. C'est parti pour la galère. Je sens que je vais passer du temps moi là-dessus. Ah bah non, bah voilà, d'accord, il m'a complètement laissé gagner. Ça c'était un bug sur Micro Machine V4, c'est que quand les parties durent un... Quand ça dure un peu trop longtemps... Voilà, je me suis encore planté, putain. Quand on tournait pendant trop longtemps, qu'il n'y avait pas d'élimination, l'ordi avait tendance à stopper net. Il s'arrêtait complet, il te laissait gagner. Du coup, la victoire, je la trouvais un peu amère, forcément. Hein. Toi, même s'il a la mitraillette.
Enfoiré! Enfoiré! Oh merde! Quoi? Oh! C'est pas vrai! Y'a des mines! C'est bon! Vas-y, c'est bon, je vais gagner. Voilà. Alors on est en qualif, ça y est, ça veut dire que ça a duré trop longtemps. Et que maintenant tu ne perds plus de points. Donc le foiré de crotte là. Oh non! Oh oui! Oh! Je crois que j'ai de la chance! Oui, j'ai beaucoup de chance! Je me suis pris deux mines! Allez, je suis à deux points de la victoire. Non! Bah oui, forcément! Si c'est certain! Pourquoi tu fais ça? Oh là 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 là! Allez, c'est bon, c'est gagné! Un point de la victoire! Comme quoi ça devient... Oh, enfoiré! Ah bah il a pris la mine. Bien joué mon gars. Voilà, on a gagné. Mais comme quoi ça devient plus difficile déjà, hein, au bout d'un moment. Bon, on a battu le deuxième boss. Je me suis fait 8400 pièces. C'est chouette. On a débloqué le Monster Truck. Et débloqué la coupe construction. Alors je vais au moins montrer les véhicules qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un truc différent? Non. Oh punaise! Ça c'est de l'engin, ça. On a un bulldozer, une pelleteuse, un rouleau compacteur, un camion malaxeur, une moissonneuse batteuse et un camion ben. Eh ben ça c'est des véhicules ça. Ça c'est pour les bonhommes. Et il y a 7 coupes. Donc voilà. Eh ben je pense que on va arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que bah, ça vous a plu, hein. Oh, bon, on peut même limite tout voir d'ailleurs. Voir tous les véhicules qu'il y a. Ça, c'est les véhicules de la fin du jeu, ça. J'espère donc bah, que ce petit épisode sur Toybox Turbo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé, il est disponible sur Steam. Et probablement sur console aussi, peut-être. Alors, sur Steam, je le vois, il a 15€. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, quand même, pour le jeu que c'est. Donc, prenez-le peut-être que quand il est en promotion. Mais c'est un jeu assez sympa. Franchement, c'est sympa. Dans l'ambiance Micro Machine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter en dessous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. En attendant, je dis à la prochaine tout le monde. Salut.